Et bonjour à tous, c'est Brad, je se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Assassin's Creed Unity pour l'épisode 20. Alors normalement c'est le dernier épisode de ce let's play. Même si après il y a je vais vous expliquer sur la progression. Alors là on voit que c'est voilà, c'est le dernier acte. Voilà, il nous manque un acte. Le dernier chapitre quoi. Et là, alors attendez. Voilà, après il y a Assassin's Creed Unity Dead King. Et là on voit séquence 13. Et donc j'ai fait la première parce que je voulais voir. Et en fait ça c'est un DLC quoi. Donc je pense qu'on va le faire après ça. Bon, même si j'ai fait la première ouais j'ai fait la première quoi. J'ai fait le premier truc. C'était pas très compliqué. Voilà, en échange d'un moyen de quitter la France, Arnaud accepte Dead Said. À retrouver la manuscrit perdu du maquis du conseil. Bon, voilà, bon, c'est un petit truc vu au fond qu'on a eu en plus. C'est bien. Donc là, c'est vrai que là, je suis en pleine mission. Je vous ai expliqué pourquoi dans le dernier chapitre. Et alors, en fait, mon narrateur, elle est bien. Hein. Voilà, j'enregistre tout. Et là, ce couillon là, qu'est-ce qu'il me fait à chaque fois? Franchement, si vous savez pourquoi ça me dit, si vous savez pourquoi à chaque fois il s'éteint comme il n'y a plus de batterie, il me prévient même pas. Parce que là, à chaque fois il se passe ça en fait, à chaque fois il me prévient pas. Et à chaque fois, hop, il s'éteint comme ça, plus de batterie. Donc 5 ans, ça me fait chier. Sérieusement. Donc si vous savez, n'hésitez pas à me le dire. Voilà, du coup on va recommencer là et du coup ce que j'avais fait avant, vous l'aurez pas vu pour la première partie, bon c'est pas. Il n'y a rien de spécial, on est venu ici en fait dans un grand château. C'est un grand château. Et en gros il fallait battre comment il s'appelle Germain. Germain là il était là ici et en fait il a une épée trop chelou, un peu sabre laser, un truc comme ça et tout, une épée qui fait avec d'électricité, un truc et tout, c'est pas mal, franchement on va la revoir de toute façon. Et hop du coup je l'ai attaqué pour faire un coup comme ça là, schlack, et après il s'est volatilisé, donc faut le retrouver, voilà. Donc c'est reparti. Alors. Arrête-toi là-bas. Voilà, hop. C'est bon. Hop là, on fouille. Parce que bien sûr, j'ai perdu beaucoup de trucs. On va zéter en même temps. Voilà. Ça c'est bon. On les fouille. Voilà, tranquillement. Allez. Maintenant faut redescendre, faut aller autre part. Voilà.
Alors, comment on va faire là? On attend qu'il se doute et hop. Voilà. Comme ça, il va venir. Non! Dis donc. Tac. Il m'en reste plus que deux déjà. Voilà, cool. Hop là. Ça, c'est bon. Hop là. Oh mon. Arrête-toi, citoyen. Faites pas vos chier. Putain, je peux pas encore descendre là. Putain. Faut lancer une furie, voilà. Flèche furie sur. Reste où tu es. Hop là. Voilà, on l'a laissé faire. Il va les tuer à notre place. Tac. On va attendre. On est bien là. Oh, toi, mon gars, hop là, merci bien. Hop là. On les fouille. On a tout fouillé ici, ouais. Fallait où en fait là après? Putain, fallait à l'autre bout quoi. Mais attendez, je peux pas traverser dans l'eau et arriver à l'autre bout. Bon, traverser là en fait. Ici, alors attendez. Si je remonte tout là, hop. Ouais. Citoyen, on ne bouge plus. Hop là. Ah!
vous aider. Hop là. Attendez deux secondes. Ça me picote l'oreille là. Hop là. Nickel. Attention. Beaucoup de monde ici. Oh, c'est pas le moment de s'endormir. Seigneur, aide-moi, guide-moi. Voilà. Nickel. Oh, il y en a deux. J'avais pas vu. Oh, je pense que deux, je peux les avoir. Voilà. Vous avez bien choisi les avoir. Oh là là, j'aime pas ça du tout. On tous s'est ramené. Ok, pour l'instant là ça va être bon. Pas mal. Ah, attention. Il me saoule. Voilà. Et il me reste plus que là. Oh. Ah, ils sont là-haut. On va attendre un peu là. Oh, il me saoulait, eux. Ils sont là-haut, là. Oh, ouais. Hop. On les tue, ils me saoulent. Je peux pas.
Hop là. Nickel. Hop. Te voilà. On attend, comme d'hab. Oh, je pense qu'il me fera plus chez lui. Oh, je sais pas. Peut-être. Oh, il est là. Hop, ça c'est bon. Hop là. C'est bon. Ça c'est bon. Merde. Fais attention. Trouver. What? Elle est où? Oh, elle est sous. Sous, elle est. Ok. Elle est en dessous. Voilà. Elle est en dessous. Et voilà. Élise. Voilà, c'est ça l'épée que vous parlez. Et voici Mademoiselle de la Serre. Quelle belle retrouvaille. Reste caché. Continue à le faire parler. Assassiné. Ce jour ne viendrait jamais. Que votre crime resterait impuni parce que François de la Serre n'avait pas de fils pour le venger? Ah, une simple vengeance. Tu es aussi borné que ton père. Et vous êtes aveuglé par votre quête insensée de pouvoir. Je te crois en sécurité dans l'ombre? Je te tiens maintenant. Le pouvoir? Non, non. Ouh, voilà, ça fait mal. Hein. Ne sois pas stupide. Ah. Il n'a jamais été question. Oh. C'est hyper puissant. Il n'a jamais été question de pouvoir. Seul le contrôle m'intéresse. Ton père ne t'a-t-il rien appris? Les ténèbres ne te protégeront pas. Putain. L'ombre est gangrénée par la corruption. Tellement obsédé par les... Alors encore. C'est bien. Il avait délaissé sa raison d'être. Oh oh, ça va faire mal. Ah. Il avait délaissé sa raison d'être pour s'adonner à de vils plaisirs. Pris au piège des mensonges façonnés pour guider les masses. Je vais vous tuer. Inutile de te cacher, petit. Oh oh, ça fait trop mal, sa race. N'entends-tu pas ce que je te dis? Mon plan s'étend bien au-delà de ma vie. Je te trouverai. C'est le moment. Voilà.
Il prend la fuite! Attends-moi, j'y suis presque! Je peux le tuer! Non, ne fais pas ça, pas toute seule! Attends-moi! Je suis désolée. Elise! Elle va mourir, à mon avis. Allez, on va l'assassiner, ce con. C'est parti. Bravo, tu as tué le méchant. C'est comme ça que tu t'étais joué cette petite fable morale, n'est-ce pas? Bon, je ne suis pas vraiment ici. Et je ne suis pas non plus là-bas. Mon sang est en train de s'écouler sur le sol du temple. Mais il semblerait que le père de la sagesse ait décidé que je discute. Ah, l'un de mes passages préférés. Je ne comprenais pas les visions qui hantaient mon esprit, vois-tu. De sublimes tours dorées, des villes brillant de l'éclat de l'âge. J'ai cru que je devenais fou. Puis j'ai découvert cet endroit, le sanctuaire de Jacques de Molay. Grâce à ses écrits, j'ai enfin pu comprendre. Comprendre quoi? Qu'à travers les siècles, j'étais relié au grand maître. Que j'avais été choisi pour purger l'ordre de la décadence et de la corruption qu'il avait pourri de la terre. J'allais purifier le monde et y faire régner la vérité du père de la sagesse. Et je vois que tu as rencontré un franc succès. Les prophètes sont rarement appréciés de leurs contemporains. L'exil et l'humiliation m'ont contraint à revoir mon approche. Trouver de nouvelles voies pour réaliser mes objectifs. Quel qu'en soit le prix. Le nouvel équilibre n'est jamais forgé sans la destruction de l'ancien. Et si les hommes craignent la liberté absolue, notre cause n'en devient que plus forte. Une brève plongée dans le chaos rappelle au peuple qu'il ne vit que pour obéir. C'est ici que nos chemins se séparent. Réfléchis à ceci. Lente est la marche du progrès, mais aussi inexorable que celle d'un glacier. Tu n'auras fait que retarder l'inéluctable. La mort d'un homme ne peut entraver la force du temps. Je ne guiderai pas le genre humain à sa vraie place, quelqu'un d'autre s'en chargera. Remémore-toi ces mots, chaque fois que tu penseras à elle.
Et voilà, c'est terminé. Alors, on va continuer. Terminé pour ce let's play. Même si je ferai le truc, le DLC. Je terminerai le DLC aussi. Alors, j'espère que ça vous a plu, ce let's play. Alors, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, vous pouvez vous abonner. N'hésitez pas à liker ma page Facebook, mon Twitter. Le credo de la confrérie des assassins nous enseigne que rien ne nous est interdit. Jadis, je croyais que cela nous permettait de faire selon nos désirs, de réaliser notre idéal, quel qu'en soit le coût. Je comprends maintenant. Le credo n'est pas une permission, le credo est un avertissement. Les idéaux s'effacent au profit du dogme, et le dogme ouvre la voie au fanatisme. Aucune puissance supérieure ne nous juge, aucun être suprême ne nous observe pour punir nos péchés. En fin de compte, nous seuls sommes à même de nous protéger de nos obsessions. Nous seuls décidons si la voie que nous empruntons est trop difficile. Nous nous voyons comme des rédempteurs, des vengeurs, des sauveurs. Nous faisons la guerre à ceux qui luttent contre nous, et ils nous combattent en retour. Nous rêvons de marquer le monde de notre empreinte. Même lorsque nous mourrons, pour une cause qui ne figurera jamais dans les livres d'histoire. Tout ce que nous faisons, tout ce que nous sommes, débute et prend fin avec nous. Et voilà, c'est terminé. Alors, j'espère que ça vous aura plu. On s'est rapide. Allez, vite. Alors, on se trouve. Bon sang, je n'en crois pas mes yeux. Arnaud a gagné ce combat 2 siècles avant qu'il ne commence. Bien joué, petit. Ça m'étonnerait qu'Abstergo décide de fouiller les catacombes pour retrouver la dépouille de Germain. Ses os seront trop abîmés, trop dégradés. Ce sage ne nous posera plus de problème. Tu as été à la hauteur, initié. En attendant qu'on te fasse signe, tu devrais continuer à fouiller les mémoires d'Arnaud pour recueillir tout ce qu'il a vu. Des données historiques précieuses, d'autres échantillons d'ADN, tout ce qui peut nous aider. On te contactera dès qu'on aura besoin de toi, c'est certain. Et voilà, donc on se quitte maintenant. Alors j'espère que ça va plus, on te retrouvera pour une prochaine vidéo. Allez, salut!